Et en plus, nous saurons tout. Sur qui? Sur les Spice Girls. De vérité, nous allons tout savoir sur les Spice Girls grâce à des questions. Tout à fait, Charlie. Alors moi j'ai des questions, on peut dire soft. Tu as des questions personnelles et oui, des questions, on peut dire spicy. Tout alors, à fait, Charlie. On va commencer. Alors, question, soft question or spicy question? Spicy. Just for you. Oh, for me? Yeah. Let's see. Special. Especially for you. Mel B, I heard that your favorite sport is sex. Do you really think it will contribute to it to change women's image? Alors, tout le monde à Mel B, c'est-à-dire qu'elle parle beaucoup de sexe, on peut dire que oui, c'est son sport favori. Enfin bon, et est-ce que ça contribue à donner une bonne image de la femme? C'est bien ça, Ginette? Oui, c'est ça, exactement. C'est bien ça. But how can I answer that? I think sex is a very private and intimate thing, and I think there are lots of things you can do with sex. I think number one is to have safe sex. Mm-hmm. And if you find the right partner, you can do many, many things. Alors, je pense que le sexe est quelque chose de très intime et que la chose principale est de se protéger. Et si vous avez le bon partenaire, vous pouvez faire plein, plein de choses. Oui, je pense qu'une réponse comme celle-ci, ça oui, s'applaudit parce que c'est important de le dire. Emma, spicy? I'll go for soft for baby. Soft. Chose. Oui, pas. Okay, right. Soft. 70% of your fans are females. Why is it so? Well, 70% des fans sont des filles. Groupes sont des filles. Oui, voilà. Le chouchou. Pourquoi? I think actually we are very proud to have female fans because obviously when you do look at a boy band, they usually have female fans, and with the other way it should be, you know, with boys. But we're very proud to have girls, and they've got better taste than men.
Alors, les girls rule. Les femmes ont meilleur goût que les hommes. Normalement, quand on fait un girls band, on devrait avoir des fans hommes, puisque c'est ce qui se passe avec un boys band, ils ont des fans femmes. Mais nous, on a des fans femmes et on en est très fiers et ravis. Enfin, quand même, Ginette, il y a des hommes, des garçons, il y en a quelques-uns ici, qui aiment les Spice Girls. You have some male fans, of course, don't you? Oh, definitely, and we love the male fans. Oui, on les adore aussi. Lulu. Spice up your life! Les Spice Girls! Il y a une semaine. Quelle culture tu as sur les Ah pays. Oui, moi je travaille beaucoup. Il y a une semaine, c'était l'anniversaire de Melby. Ouais. Alors, comme nous n'étions pas là pour lui souhaiter, j'aimerais que tout le public entonne en chœur pour Melby un joyeux anniversaire. Happy birthday. Voilà, avec une semaine de retard, wesh. Mais quand même nous y tenions. Charlie. Oui. Ça c'est un cadeau anniversaire pour toutes les filles et tous les garçons qui aiment. Oui. Les Spice Girls, c'est le dernier single qui s'appelle Stop. C'est le single. Carton. Le single. Carton. Des Spice Girls. Formidable. Et Stop justement, c'est la chanson que nous allons entendre maintenant. Stop les Spice Girls. Les Spice Girls. Yeah.
Jerry, soft or spicy question? Oh. Oh. Jerry prend des risques. C'est vrai. Oh no. The girl power is the fact of fighting the idea of article women. So why do you use a concept in many gadgets, key rings or in slippers? I don't get that. Alors, le girl power, c'est le fait de combattre l'idée de femme-objet. Alors, pourquoi déclinez-vous le concept dans tant de gadgets comme des porte-clés, des chaussons? Okay. Well, do you know what? I think, you know, in the sense that, you know, we sell key rings and slippers, do you know what I mean? We're really proud of our merch. We don't sell slippers anyway, but we're really proud of our merchandise. You know, we think we give good quality products that people want, and that is using our initiative, you know, our brain power. So that is girl power. So c'est sur notre initiative, c'est nous qui voulons faire ça, c'est le girl power. Par ailleurs, nous ne faisons pas de chaussons, et donc voilà, nous vendons des produits de qualité aux gens qui les veulent. Puis surtout, elles font ce qu'elles veulent. Merci. Soft or spicy? On en a bientôt plus. Spicy question. Why do you hate boys' bands while you're a girls' band? In which way is you music different? Alors en gros, pourquoi est-ce qu'elles n'aiment pas les boys' bands? Et en quoi est-ce que leur musique est différente de celle des boys' bands? Right. First of all, we do not hate boy bands. We love boy bands. Alors d'abord, nous ne détestons pas du tout les boys' bands, nous les adorons. Which one? Which ones? Backstreet Boys. Backstreet Boys. My favorite. But girls' bands are way cooler. But which way is our music different? I think our music's different because, you know, any band who does their own music, it's going to be different because it's coming from there. Alors, les girls' bands sont quand même vraiment plus cool. Et de toute façon, tous les groupes sont différents puisqu'on fait ce qu'on a à l'intérieur. Lulu, tu nous as pas montré encore l'album des Spice Girls. L'album connu du monde entier. Et oui. Spice World. Oui. Voilà. Qui le veut? Et sur cet album. Ah, Lulu, on le tient plus. Aïe. Merci. Trois blessés. Et sur cet album. J'ai bien joué, Charlie, là. Oui. Il y a une chanson des Spice Girls, forcément, qui s'appelle Viva Forever. Viva Forever. Spice Girls. Everlasting.
Considered no longer as a group but as a society phenomenon. Ginette. Alors, qu'est-ce que ça fait de n'être considéré non plus comme un groupe mais comme un vrai phénomène de société? I mean, we still consider ourselves, you know, a group and we feel, you know, very passionate about everything we do. And to actually have the label as a phenomenon, you know, is a great honor. I think it's because, you know, we've been very successful, you know, internationally, and that hasn't been done to such an extent for a long time. And I think that we just consider being a phenomenon, you know, is a great honor. It's a great thing to be. Alors, called. Tout d'abord, nous nous considérons toujours comme un groupe, mais c'est vraiment un honneur. Nous sommes ravis d'être appelés phénomène. Et voilà. Oui, mais même si je crois que les Spice Girls ont été le premier groupe féminin à se classer directement à la première place d'un. And that is thanks, by the way, to all of our fans out there. C'est grâce à vous. Donc je disais, le premier groupe féminin à se placer directement à la première place des ventes en Angleterre. Donc j'aimerais juste savoir quand même comment on vit tout ça. So how do you live your success? How do you feel about it? How do we feel? I mean, how can you feel about this success? I mean, it's fantastic. We've worked very, very hard. And all we can say is a big thank you to all of our fans and also to each other, because we're the ones that have made it happen, and all of you lot as well. C'est fantastique, on doit vous remercier et aussi se remercier entre nous. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour les Spice Girls qui ont répondu sans détour à toutes les questions que l'équipe avait préparées. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Au revoir mademoiselle. Bye bye. Elles se sont livrées, Charlie. Hein, ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Un petit peu.